Ça se présente comment ? Mal. On vient de perdre le contact avec deux avant-postes. Une forme massive apparaît sur les scanners longue portée. C'est ce que Shepard avait prédit ? J'y mettrai ma main au feu. On a combien de temps ? Très peu. J'ai donné l'alerte. Nos flottes se mobilisent. Croisons les doigts. Commandant. James, vous n'êtes plus censé m'appeler comme ça. Ni censé vous saluer, commandant. Allons-y. Le conseil de guerre aimerait vous rencontrer. Ça semble important. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Ils veulent vous voir, tout de suite. Anderson. Amiral. Vous avez les renforts, je parle. Mais vous n'auriez pas pris du poids. Comment ça va depuis que vous êtes relevé de vos fonctions ? Que voulez-vous ? Un bon lit et des repas chauds ? On s'habitue vite. Bon, hein ? On verra bien. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi cette agitation ? L'amiral Hackett mobilise les flottes. La nouvelle est donc arrivée au commandement de l'Alliance. Quelque chose de gros approche. Les moissonneurs ? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Quoi d'autre sinon ? Si je le savais. Ce sont les moissonneurs. Et nous ne sommes pas prêts. Vraiment pas. Dites ça au comité de défense. Le comité ne sert à rien, à moins de vouloir tuer les moissonneurs à coups de parole. Ils ont peur. Ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Nous avons lu vos rapports et analysé vos données, mais pour nous, ce n'est que de la théorie. Vous les avez combattus dans les tranchées. Vous savez de quoi ils sont capables. C'est pour ça qu'ils m'ont puni et pris mon vaisseau. Vous savez que c'est faux. Pour vos conneries, n'importe qui aurait été condamné en cour martiale. C'est votre connaissance des moissonneurs qui vous a sauvé la peau. Mais vous m'avez soutenu. Oui, j'ai confiance en vous. Et le comité aussi. Je suis un soldat, Anderson, pas un politicien. Vous n'avez pas besoin d'être ni l'un ni l'autre. Vous devez juste nous aider à arrêter les moissonneurs par tous les moyens. On vous attend tous les deux, amiral. Bonne chance à vous, Shepard. Anderson. Shepard. Ashley. Lieutenant-commandant, comment ça s'est passé ? Avec eux, on ne sait jamais. J'attends les ordres, là. Amiral ? Allez. Vous vous connaissez ? On peut dire ça. Amiral Anderson, Shepard. Quelle est la situation ? Nous espérions l'apprendre de vous. Les rapports qui nous parviennent sont complètement déments, on n'a jamais rien vu de tel. C'est le silence radio pour de nombreuses colonies, et tout ce qui se trouve après le relais d'Helios. Quelle que soit cette force, elle est incroyablement puissante. Vous m'appelez pour confirmer ce que vous savez déjà ? Les moissonneurs sont là. Mais alors, comment faire pour les arrêter ?
Les arrêter? On ne parle pas de stratégie ou de tactique, mais de survie. Les moissonneurs sont plus avancés, plus puissants et plus intelligents que nous. Ils ne connaissent ni la peur, ni la pitié. Mais il doit bien y avoir une solution. Chacun d'entre nous doit être prêt à mourir pour sauver l'humanité. Sinon, ils ont déjà gagné. Et quoi? C'est ça le plan? Amiral, on n'a plus de contact avec Séléné. La Lune? Ils ne peuvent pas être déjà si proches. Comment ont-ils passé nos défenses? Amiral, le QG britannique a un visuel. Fais donc l'amiral Hackett. Qu'est-ce qu'on fait? La seule chose qu'on puisse faire est de se battre ou de mourir. Il faut aller au Normandie. Contactez le Normandie. Je n'y arrive pas. On se retrouve à la zone d'atterrissage. Terminé. Ils sont énormes. Allez, je sais pas. Ashley va rejoindre le Normandie. Si on atteint le spatioport, ils nous prendront au passage. On y va! Allons-y! Attention! Comment peut-on arrêter un monstre pareil? Prenez bien votre élan, c'est assez loin! Allez, on y va! C'est le seul chemin. La voie est libre, on y va. Allez, on continue. Lieutenant commandant, vous me recevez? Je suis sur la radio de Shepard. On est tout près du Normandie. Des zombies! Tuez-les! Flinguez-les! Je n'ai plus de munitions! Vite, tirons-nous d'ici! Contre ces trucs-là, il faut employer la bonne vieille méthode. Vous attraper.
dois sortir d'ici, et vite! Attention! C'est par là. Pour moi. Shepard ! Par ici ! Ah, c'est un vrai désastre ! À chaque minute, des milliers d'innocents sont victimes de ces machines. Je ne veux pas en être responsable. On n'est pas responsable de ceux qui meurent. On se bat pour ceux qui resteront après la guerre. Oui, vous avez peut-être raison. Ils ont frappé si vite. Ah, qui aurait pu penser que... On savait qu'ils arrivaient. Et pourtant, nous n'avons rien pu faire. Nous devons retourner à la citadelle, parler au conseil. La citadelle, c'est ici que ça se passe. Ce sera bientôt le cas. Vous l'avez dit. Les moissonneurs détruiront tout si nous ne les arrêtons pas. Le conseil doit nous aider. Vous le pensez vraiment? Non, mais vous étiez un spectre du conseil. Ça doit bien compter, non? Je vous tiens. Merci. Je vous revaudrai ça. Et comment ? Récupérez des munitions. Rechargez sans ralentir. Devoir faire un détour. Vous me recevez? Normandie, répondez! Allié! Ça va, vous deux? Baissez-vous! Ils vont vous voir! Gardez la tête baissée! Joli tir! Shepard, par ici. Que s'est-il passé? Notre navette a été abattue en plein vol. Vous avez une radio? On doit contacter notre vaisseau. Non. Il y en a une dans la navette, mais... ça doit grouiller de ces saloperies. Ne bougez pas. On va vous sortir d'ici. Oh!
Venez, allons voir cette navette. J'ai trouvé une radio. Normandie, ici Anderson. Vous m'entendez? Amiral, où êtes-vous? Au port, près d'une navette abattue. Je vais activer sa balise de détresse. Envoyez du secours. Il y a des blessés ici. Lieutenant? Merde, j'ai perdu le signal. J'espère que cette balise fonctionne. Et merde, on a de la compagnie. Thank you.
passé. Shepard. Allez. Partez sans moi. Vous avez vu ces hommes comme moi. Ils sont des millions et ils ont besoin d'un chef. C'est aussi notre combat, Anderson. Sans aide, c'est un combat perdu d'avance. Notre seule chance de vaincre les moissonneurs, c'est d'unir les forces de la galaxie. Parlez au Conseil. On a besoin de leur aide. Et s'ils veulent pas m'écouter? Je vous fais confiance. Allez, partez! C'est un ordre! Amiral, j'ai plus d'ordre à recevoir de vous. Tenez, vous êtes réintégré. Commandant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je reviendrai, amiral, avec une armée. C'est promis. Bonne chance. Merci, Shepard. C'est quoi ce bordel? Où est Anderson? Et où on va? Hé hey! On s'en va. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Anderson veut qu'on aille à la citadelle pour trouver de l'aide. Je le crois pas, il ne dirait pas de partir. On n'a pas vraiment le choix. Sans aide, cette guerre est perdue d'avance. Laissez tomber! Déposez-moi quelque part, parce que moi, je ne pars pas. Ça suffit. Vous croyez pas que je préférerais rester à me battre? On va à la citadelle. Si ça ne vous va pas, vous prendrez un taxi là-bas. Commandant? Joker, c'est vous? En chair et en os. J'ai une transmission d'urgence de la part de l'amiral Hackett pour vous. Passez-le-moi. Je pars. C'est une lourde perte. Les forces ennemies sont écrasantes. Mon armée ne va pas les battre de façon classique. Anderson m'a déjà ordonné d'aller à la citadelle pour voir le Conseil. Rendez-vous à notre avant-poste martien, avant qu'on perde le contrôle du système. Oui, chef. Il faut que vous alliez sur Mars. On a fouillé les archives protéines avec votre associé, Lyra Tsoni. Vous pouvez armer un moyen d'arrêter les moissonneurs. On a donc la seule chance de les battre. Shepard, il faut vous rendre aux archives sur Mars. Je reprendrai contact au plus vite. Enquête terminée. Joker, Cap, droit sur les archives de Mars. Mars ?
Vous êtes malade! Pourquoi Mars? Qu'est-ce qu'il pense qu'on y trouvera? Je ne sais pas, mais si ça peut nous faire gagner. Préparez-vous. Aucun signe de la base, mais une grosse tempête vient sur nous. On a combien de temps? Une demi-heure au mieux. Après ça, on aura du mal à rester en contact avec le Normandie. Entendu? Allez, lieutenant, on a connu pire. Ça peut tout de même nous tuer. Je m'en fais plus pour la Terre. Ou pour cette base où personne ne répond. Vu comme ça, qu'est-ce que c'est? Alliance. Sergent Reeves. Il n'a pas l'air de s'être défendu. Ça tourne pas rond ici. Il faut faire profil bas et comprendre ce qui se passe. Bien reçu.
c'était des hommes de Cerberus, pas vrai? Ils en avaient l'air. Que fout Cerberus sur Mars? Bonne question. Vous ne savez pas? Je suis plus avec eux, si c'est ça que vous demandez, Ash. Non, mais le problème, c'est qu'il y a une organisation terroriste qui infiltre l'un de nos centres de recherche. Je pense que le soupçon n'est pas une réaction excessive. Juste quelques véhicules. Ils doivent avoir reçu de l'aide, de l'intérieur. C'est probable. Il faut bien plus d'hommes et de puissance de feu pour prendre cette planète. Shepard, je veux une réponse franche. À quel sujet? Cerberus est peut-être pro-humain, mais sûrement pas pro-alliance. Vous savez ce qu'il fabrique ici? Pourquoi je saurais ce qu'il trafique ici? Vous avez collaboré. Comment croire que vous avez rompu tous les liens? Que ce soit clair, je travaillais avec eux, pas pour eux. Et c'est terminé. Et j'ignore tout de ce qu'ils font ici et de ce qu'ils cherchent. Le commandant Shepard a été sous surveillance depuis son retour sur Terre. Les communications étaient impossibles. Désolé, Shepard. Vous voulez haïr Cerberus? Très bien. Mais je ne vous rendrai plus de compte. Est-ce clair? Bien sûr. Je ne voulais pas... Toudou, lieutenant. Elle est avec nous. Shepard, par la déesse, vous êtes en vie. Lyra? Les rapports m'ont rendu si inquiète. L'attaque était violente. Ouais, c'était... dur de partir. Ashley, je suis désolée. Mais pourquoi vous êtes ici? Ordre de Hackett. Il a dit que vous saviez ce qui se passe. Oui. Alléluia. Des réponses, enfin. Peut-être. J'ai trouvé les plans d'une machine protéenne. Elle pourrait anéantir les moissonneurs. Ici, sur Mars? Oui, dans les archives protéennes. J'y croirai quand je la verrai moi-même. Où est-ce qu'on trouve cette arme? Ce n'est pas une arme.
Pas encore. Ce sont des plans pour la construire. C'est plus que ce que nous avions jusque-là. Où les trouve-t-on ? Les archives sont au bout de ce tramway. Enfin, si Cerberus ne l'a pas verrouillé. Que cherche-t-il ? Ouais, on dirait qu'ils vous veulent vraiment. Ils veulent ce pourquoi je suis là. Ce pourquoi nous sommes tous là. Pourquoi ? Les protéens ont failli avoir les moissonneurs. Ils comptaient les exterminer, mais ils ont manqué de temps. Et de quelque chose d'assez puissant pour détruire les moissonneurs. Est susceptible de beaucoup intéresser Cerberus. Alors c'est une course vers les archives. On a de la compagnie. Amenez-vous. Pas cette fois, James. Quoi ? Retournez à la navette. Si Cerberus atteint les archives avant nous, vous devrez couvrir les sorties. Mais... Maintenant, lieutenant. Il se rapproche. On devrait se planquer. On dirait qu'ils nous ont trouvés. Aucun problème quand on a des pouvoirs biotiques. Je me mets à couvert. Vous finirez par sortir. Shepard. Ils sont tous morts. Bien, trouvons le moyen de monter. Cette base était sécurisée. Comment Cerberus est-il entré ? Bonne question. D'abord reçu des rapports sur l'invasion des moissonneurs. Puis juste après, c'était le chaos. Je n'ai même pas réalisé que c'était Cerberus au départ. Est-ce qu'il serait de mèche avec les moissonneurs ? C'est peu probable, mais ils tout est possible. Ils ont saboté l'ascenseur. Shepard, essayez d'accéder à la passerelle. Je n'ai pas accès aux commandes, mais... Et vous avez vu ça ? Qui est cette femme à l'écran ? Le docteur Eva Kor. Elle est arrivée la semaine dernière.
Du nouveau? Passerelle inaccessible. Ok. On dirait qu'il y a un chantier à côté. On passera par le toit. On peut trouver un chemin à partir de là. Bien. On bouge. C'est à cause de la tempête. D'abord pressuriser la salle. Et voilà, nous avons accès au labo. Et de là, nous irons à la station de tram. Eh, on dirait un enregistrement de ce qui s'est passé ici. Station de sécurité, vous êtes là? Il se passe de drôles de choses par ici. Nos protocoles de sécurité se sont déclenchés, tout est verrouillé. Docteur, je vous ferai un rapport dès que... Nous savons comment Cerberus est entré. J'aurais dû m'en rendre compte en la croisant. J'étais trop absorbée par mes propres recherches. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Maintenant, il faut que vous nous meniez aux archives. Par cette porte, on se rapproche. Bien. En avant. Est-ce que vous êtes ?
Entendu. Ils ont activé les protocoles de décontamination. Avec le personnel à l'intérieur. C'est ici qu'ils étudiaient les diverses reliques déterrées. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Trop de choses pour que ça tienne en quelques mots. Et ils n'ont pas creusé très loin. Il y a des coffres remplis de données protéines qui n'ont pas encore été étudiées. C'est la ligne de tramway. Elle mène droit aux archives. Cerberus a dû la boucler. Nous devrions pouvoir régler ça à la station de sécurité. C'est juste par là. Connaissance. Nous allons contourner, restez à couvert. Je passe devant. Ne la laissez pas vous viser. Bordel. Où on est. Soyez prêts.
bon. Périmètre. Personne ne passe. On a encore du monde de l'autre côté. Personne. Et coupez-moi ces caméras. On dirait qu'ils ont atteint les archives. Et on dirait bien qu'ils ne sont pas disposés à envoyer un tram. On peut le contrôler. Les archives sont sur un autre réseau. Nous sommes bloqués dehors. Pas complètement. Et si nous trouvions un émetteur à courte portée, casque à casque. Et que nous les persuadions que nous sommes des leurs, et que les troupes de l'Alliance sont éliminées. Bonne idée. Tâchez de trouver ça. Quoi ? Le lieutenant-commandant est devenu très compétent. En effet. Commandant, j'ai quelque chose. Ça donne quoi ? Il a un émetteur dans son casque. Si j'arrive... Oh ! Bon Dieu ! On dirait un zombie. Pas vraiment. Mais ils lui ont fait quelque chose. C'est certain. Ils ? Vous voulez dire Cerberus ? Ils ont fait ça à leur propre agent ? Vous comprenez pourquoi je m'en fais pour vous ? Inquiétez-vous des moissonneurs, de la guerre. On doit se concentrer pour les arrêter. Oui, chef. Allez. On va voir si on peut attirer ce tram ici. Allô ? Allô, ici Delta. Est-ce que vous me recevez ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Oubliez ça. Quel est votre statut ? Nous sommes à la station de tram pour extraction. L'ennemi est éliminé. Bien reçu. L'escouade Echo arrive pour sécuriser la station. Ils marchent, d'après vous ? En tout cas, ils seront fixés bien assez tôt. Nous devrions nous placer et les prendre de flanc à la descente du tram. Bonne idée, lieutenant. Compris. Entendu.
m'y colle. La tempête empire, faudrait se manier. Les archives sont juste de l'autre côté. Avec un groupe de soldats de Cerberus énervés. Thank you.